Good morning, Aleiden. Les sutres aujourd'hui, le Nishmat Mavir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Machlouf Micha ben Masouda, Rivka bat Levi, Yitzhak Dov ben Yudit, Avram Chayin, Orber ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kinim, Perek Aleph, Mishnah Gimel, Bame Dvarim Amourim, Bechova Shin Ubindava. Aval Bechova Shinitar Vazo Bezo. Achat Lezo ve Achat Lezo. Shtaim Lezo ou Shtaim Lezo. Shalosh Lezo ve Shalosh Lezo. Mertsa Kacher ou Mertsa Pasouli. אחת לזו ושתיים לזו, ושלוש לזו, ועשר לזו, ומאה לזו, המועט כאשר, בין משם אחד, בין משני שמות, בין מאישה אחת, בין משתי נשים. Dans le cours précédent, on a déjà introduit tout le principe de Masechet Kinim, ça se compliquera au deuxième perek, mais pour le moment on a introduit toutes les notions nécessaires pour comprendre parfaitement le premier perek. On va répéter très brièvement ces notions. Ça se résume à ça. Il y a tout d'abord des kinim, c'est un ken, c'est un nid d'oiseau. C'est une manière de désigner une paire d'oiseaux, d'accord? Pour toutes sortes de korbanot de la Torah nous a demandé d'apporter parfois des chatata of et parfois des olata of. Chatata of, un of, c'est une volaille bien sûr. Il y a un chatata of, c'est une volaille qu'il faut faire en bas du misbéach, asperger le sang sur la partie inférieure du misbéach. Une olata of, c'est une... Et après la chatata off, elle est mangée par les kohanim entièrement. On asperge le sang, on lui fait la médica, c'est la shrita un peu particulière. On asperge le sang sur le misbar, après on la donne à manger au kohanim intégralement. Tandis que la olata off, alors le kohanim monte lui faire cette médica, la shrita avec son pouce, et il monte la faire en haut du misbar, il monte la rampe, il lui fait la médica, il fait couler le sang par terre, il la jette au feu. Une ola qu'on a fait. Qu'on asperge le sang en bas, ou une khatat à off, qu'on asperge le sang au haut du misbéach, on a invalidé le khatat. D'accord? Ça, c'était la notion qu'on a introduite dans la première Mishnah. De ce fait, dans la Mishnah, on a découvert maintenant quelque chose de tout nouveau. Que des korbanot qui se mélangent, qu'on ne peut plus reconnaître un khatat à off et une olat à off, étant donné qu'elles ont chacun une destination différente, si même un oiseau qui se mélange avec un oiseau, on ne sait plus les reconnaître, j'avais un khatat à off. J'avais une olataof que j'avais désignée, qui se sont mélangés. Et je ne les reconnais plus, je ne peux plus rien faire avec ces oiseaux. Je ne peux pas les faire en haut, parce que je n'ai pas le droit. Si je vais faire la shrita, la melika de la khatataof en haut, je fais quelque chose de normal, puisqu'elle doit être faite en bas, je l'invalide. Et celle d'en haut, je ne peux pas la faire d'en bas, donc du coup je suis bloqué, je la laisse telle qu'elle. Pire que ça, même si c'est une khatataof qui va se mélanger avec 10 000 olotaof, 10 000 olataof, et ben, il y a une règle que les balechaim enan mitbatlin. Des êtres vivants ne se mélangent pas, ne s'annulent pas par la majorité ou par 60. C'est-à-dire, de manière générale, un interdit qui se mélange avec du permis, alors on va le permettre 1 contre 2, 1 contre 60, 1 contre 100, 1 contre 200, il y a plusieurs mesures dans la Torah. Et ben, pour des êtres vivants, ça ne s'annule pas du tout. Ça veut dire un khatataof qui va se mélanger avec 10 000 olataof, et bien les 10 000 un oiseaux, on va les laisser mourir, on ne peut plus les faire en corban. D'accord? C'est la donnée de base sur laquelle on va construire Masechet Kinim pour découvrir tous les différents cas de figure qu'on va évoquer. C'est la donnée élémentaire. Vous l'avez bien intégré, un khatataof qui se mélange avec plein de olataof, ou inversement, une olataof avec plein de khatataof, puisque je ne peux plus lui faire le corban et que ça ne s'annule pas, tous ces animaux sont grillés. Je ne peux plus rien en faire. Il faut les laisser mourir de faim et apporter d'autres corbanotes. Premièrement. Deuxième notion maintenant, c'est la notion de désigner une paire d'oiseaux pour m'acquitter de mon devoir. Je m'explique. Dans différentes circonstances, la Torah, elle m'a dit, tu sais, ta kapara, ton expiation, ta purification, tu devras la faire en apportant un khatataof et un olataof. Donc je vais apporter une paire que chacun ait une désignation différente. Lorsque je vais désigner cette paire, je vais dire ça, je le prends pour ma chova. Ma chova, mon obligation d'apporter une capara. Eh bien, dès lors, je n'ai pas spécifié qui sera le khatat, qui sera le hola. Mais dans cette paire d'oiseaux, il y a un khatat et un hola nécessairement. D'accord? D'où le problème lorsqu'il va y avoir, par exemple, un khatat à off qui va se mélanger avec cette paire d'oiseaux. Je pourrais faire juste, ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente, je pourrais faire juste un seul khatat. Pourquoi?
Parce que dans le doute, quoi qu'il arrive, lorsque tu as désigné pour le moment une paire d'oiseaux et que tu dois porter un khatat et un hola, eh bien, tu peux prendre n'importe quel oiseau et dire, bon, maintenant lui, ça va être le khatat et forcément l'autre, il deviendra le hola. Tu peux désigner un, tu vas dire que lui, ce sera le hola et l'autre, ce sera le khatat. Mais dès que tu en désignes un, tu fixes sur l'autre. Parce que quoi qu'il arrive, c'est incontournable, il y en a un des deux qui est khatat, un des deux qui est hola. De ce fait, un khatat maintenant, de externe, qui va se mélanger avec ces deux oiseaux, maintenant j'en ai trois devant moi. Je peux en tirer un oiseau et dire, bon, lui, il est khatat. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une. Soit c'est le khatat initial, donc c'est parfait, je vais le faire en shrita. Soit c'est un khatat qui appartient à la paire que je n'avais pas désigné, mais en ce moment je le désigne. Mais je ne pourrais pas faire un deuxième korban. Pourquoi? Parce que quand je vais prendre un deuxième oiseau, je ne pourrais pas dire, je le fais, qu'est-ce que tu vas le faire, khatat? Mais tu te rends compte? Peut-être qu'en ce moment, le premier khatat, c'était le khatat de la paire, en ce moment, tu es en train de tirer le hola de la paire. Tu vas le voir le faire khatat, tu ne pourras pas, parce que peut-être que c'était le. D'accord? Tu ne pourras pas le faire khatat, parce que. Même problème, peut-être que tu es en train de prendre la hola, d'accord? Donc, de ce fait, un qui se mélange maintenant avec une paire, ça bloque. Mais plus que ça. On n'apprenait que un qui va se mélanger avec 10 paires, parce que j'ai oublié. D'abord, j'ai dit que je peux désigner une paire qui en aura un khatat et un hola. Si je suis khayav d'apporter 5 paires, une femme qui a accouché 3 fois d'affilée, 5 fois d'affilée, sans apporter de korban entre-temps, elle n'a pas eu le temps. Et puis maintenant, elle va quitter son devoir, elle va s'acquitter de son devoir, elle va apporter 5 paires d'oiseaux. Donc elle a maintenant 10 oiseaux. 5 qui doivent être khatat, 5 qui doivent être hola. Un khatat qui va se mélanger avec les 5, avec les 10, qu'est-ce que je fais? Maintenant j'ai 11 oiseaux devant moi. Ben, on apprenait dans la mission précédente que je ne pourrais faire que 5 khatat. Parce que n'importe quel oiseau que je vais devoir, korban, que je vais vouloir faire, il faudra nécessairement que je prenne que je désigne que ce soit un khatat, parce que deux choses l'une. Quoi qu'il arrive, il y a eu un khatat qui s'est mélangé, donc il faut que je dise que si c'est lui, ben c'est le khatat. Et si au pire, ce n'était pas le premier qui était désigné, ben c'est un du groupe, ben maintenant je désigne qu'en ce moment, c'est lui qui va devenir, il va devenir khatat. Donc du coup, je pourrais faire jusqu'à 5 fois, comme ça. Après le cinquième oiseau, il restera donc devant moi 6 oiseaux, et je ne pourrais pas prendre un oiseau et dire, je le fais ni khatat, ni hola, parce que peut-être que c'est le khatat initial, et peut-être que je ne pourrais pas le faire khatat, parce que dans ce cas-là, en ce moment, peut-être que j'ai tiré un déola, puisque j'ai déjà apporté 5 khatat en fixant au fur et à mesure 5 holot dans le groupe. D'accord? C'est le principe de la Mishnah précédente, que maintenant qu'on retrouve sous encore une autre expression dans notre Mishnah, avec à présent, dans la Mishnah précédente, on avait parlé que c'était des khatat qui se mélangeaient avec des holot. Maintenant, dans notre Mishnah, on va parler de c'est-à-dire, excuse-moi, on avait parlé de khatat ou de hola, un ou l'autre, qui se mélangeaient avec des chova, avec des paires de chova. De chova, ça veut dire qu'il y en a un qui est khatat et un qui est hola. Dans notre Mishnah, maintenant, on va parler de chova qui va se mélanger avec des chova. Mais c'est exactement le même principe. On va prendre le cas simple. Une paire d'oiseaux qui se mélange avec une paire d'oiseaux. Moi, je vais apporter un khatat, je suis un zav qui est devenu pur, et ma femme qui doit apporter pour sa naissance, elle doit apporter aussi un khatat et un hola. Super, on part ensemble à Yerushalayim, chacun avec son petit panier, et puis à un moment, on ne fait pas attention, les paniers se mélangent. Les oiseaux se mélangent, maintenant on a quatre oiseaux, on ne sait pas les reconnaître, on avait fait exprès de prendre les mêmes exactement, donc du coup on est un peu bloqué. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien faites le calcul, venez. Pour le moment, quoi qu'il arrive, je peux tirer un oiseau et dire, bon lui, il sera khatat. Parce que de deux choses l'une, soit c'est le mien, soit c'est un de mes oiseaux, soit c'est un de ses oiseaux. Donc pour le moment, elle doit apporter un khatat, elle pourra le faire khatat. On pourra même aussi prendre un deuxième oiseau et dire, bon lui, il sera hola. Parce que de deux choses l'une, soit c'est la paire initiale du premier que j'ai tiré en le faisant khatat, ben maintenant je suis en train de tirer son hola, ou soit il appartient au deuxième groupe des holotes, et au deuxième groupe qui n'a pas encore été défini, mais en ce moment je suis en train de le définir, qui sera lui aussi hola. Donc en fait, je pourrais faire un khatat et un hola, mais après je ne pourrais plus rien faire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'après le deuxième que je vais prendre, je ne pourrais pas le faire khatat, parce que comme j'ai déjà désigné un khatat et un hola, peut-être que lui maintenant, celui que j'ai pris, c'est la paire du khatat. Donc c'est un hola, je ne pourrais pas le faire khatat. Peut-être que c'est la paire du hola, donc je ne pourrais pas le faire non plus hola, puisque peut-être que c'est devenu un khatat. Donc je suis bloqué en fait. En fait, je pourrais, parmi les deux paires, je pourrais juste désigner désormais qu'une seule paire. Idem si je devais apporter deux paires, et qu'elle devait aussi apporter deux paires. Ben, je pourrais apporter au total, donc maintenant on a quatre paires, huit oiseaux, je pourrais apporter juste quatre oiseaux, en faisant la moitié khatat et la moitié hola. 1 plus 1, 2 plus 2, pareil pour 3 plus 3.
Déjà, on peut lire et traduire la moitié de la Mishnah. Bamed Dvarim Amorim, dans quel cas on a parlé dans la Mishnah précédente que tu devras apporter uniquement la moitié du groupe des. D'accord? Bon, c'était par rapport au cas. Vous voyez la Mishnah, c'est dommage de rallonger dessus. Donc Bamed Amorim, dans quel cas ça a été dit uniquement Bechova ou Bindava, lorsqu'on a eu un mélange de Chova qui s'est mélangé avec des Olot. Par contre, Aval Bechova, Shenit Arvaz ou Bezo. Par contre, lorsqu'on a des Chova, des paires de Chova. Quand on dit Chova, ça veut dire qu'il y a un Khatat et un Ola au moins. Si on a deux paires, donc ça veut dire qu'il y a deux Khatat et deux Ola. Qui se mélangent de par deux. C'est-à-dire qu'on a désigné que ça, ce sera une paire et ça, ce sera une paire. Ça, ce sera trois paires et ça, ce sera trois paires. Alors, un Khat les va Khat les qu'il y en ait un pour un et l'autre pour un. Shtaim les ou Shtaim les deux pour l'un et deux pour l'autre. Shalosh les et Shalosh les trois pour l'un et trois pour l'autre pour le moment. On ex aequo. Et ça se mélange, donc maintenant on se retrouve avec les 6 paires, il y a 12 oiseaux. Et bien qu'est-ce qu'on pourra faire? Mertsa kasher ou mertsa pasoul. Tu pourras faire que la moitié de ce qui s'est mélangé sera kasher. Et parmi cette moitié, tu feras la moitié en khatat et l'autre moitié en hola. Et l'autre moitié sera invalidée, comme ce qu'on a expliqué exactement. Maintenant, on va compliquer un petit peu l'histoire en disant qu'il y a eu deux paires qui se mélangent avec 5 paires. 5 paires qui se mélangent avec 33 paires. On s'en moque. Vous pourrez toujours, faites le calcul tout seul, vous verrez que vous pourrez toujours rapporter uniquement la quantité de la plus petite quantité qui s'est mélangée. Puisque c'était 5 paires de Chova. Lorsque j'avais 5 paires de Chova, ça veut dire que j'ai 10 oiseaux devant moi, 5 qui sont Khatat, 5 qui sont Ola. Ils se mélangent avec 30 paires. Et à l'autre, il devait apporter 30 paires en même temps. Il n'a pas encore désigné qui sera quoi, mais parmi les 30 paires qu'il a, il y a 30 ratats, 30 holas. Donc maintenant, on a maintenant les 10 qui se mélangent avec les 60, 70 oiseaux en tout. Combien je pourrais apporter dans le doute? Eh bien, je ne pourrais apporter que la quantité minimale qui s'est mélangée. Entre les 5 et les 30, je choisirais le 5. Et dans la quantité des 5, et dans des 5 paires, donc c'est-à-dire dans les 10 oiseaux, je pourrais apporter donc 10 oiseaux. Et eux, je les ferai la moitié ratat, la moitié holas. Faites le calcul tout seul, vous verrez que c'est logique. Vous voyez, vous pourrez prendre un oiseau, bien sûr, désigner. Je désigne, bon, en ce moment, je le fais. Allez, ratat, 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 ratat. Pour le moment, de deux choses l'une. Soit ça appartient à la première paire, soit ça appartient à la deuxième paire. En ce moment, je désigne. Après, je peux encore désigner d'autres oiseaux en étirant en disant hola, 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 hola. Pour les cinq. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une. Soit il appartient au premier groupe, et que les premiers aussi, ils appartenaient aussi au premier groupe, donc il s'avère qu'en fait, c'est leur paire. J'apporte un khatat, mais j'apporte chacune son hola, ça hola. Peut-être qu'ils appartiennent en ce moment à maintenant au deuxième groupe. Donc s'ils appartiennent au deuxième groupe, alors en ce moment je les désigne, j'ai aucun problème. Mais après avoir apporté la quantité minimale du mélange, le nombre inférieur en fait, du mélange, eh ben, je ne pourrais plus continuer parce qu'après tu ne pourras pas plus prendre un onzième oiseau en disant que tu vas peut-être le faire khatat. C'est-à-dire que tu le fais khatat, tu te rends compte? Peut-être que dans le premier lot que j'ai sorti, lorsque j'ai sorti la première série des 10, en fait, il y avait un khatat. Imaginez qu'en fait, vous savez quoi? Imaginez que j'ai tiré en réalité 9 oiseaux qui appartenaient au premier groupe. Donc en fait, j'ai fait 5 khatat et 4 holas. Et il en reste un maintenant. Et du coup, et l'autre que j'ai tiré, c'était une hola du deuxième groupe. Il s'avère que maintenant, peut-être que celui que je suis en train de tirer le dixième du premier groupe qui sera nécessairement une hola, je ne pourrais pas le faire en khatat. Et inversement, si je fais khatat hola, enfin, on s'est compris, c'est pas la peine de trop rallonger. Et on traduit ça dans les mots, vous avez presque tout compris, il restera une petite phrase qui sera expliquée dans la prochaine Mishnah. Achat les eaux, ushtaim les eaux. Maintenant, s'il y en avait une paire pour l'un et shtaim les eaux, et deux paires pour l'autre. On parle au féminin parce qu'en général, celle qui apportait le plus de chova au Beth Amikdash, c'était les femmes. Parce que parmi Zav et Zava, c'est relativement rare comme impureté, à la différence de. Et Metsora aussi, bon. Et à la différence d'une femme qui accouche, c'est très fréquent. Pire que ça, même une femme qui fait une fausse couche. À partir du 40e jour, elle devra déjà porter, dans le doute, elle devra porter aussi. Hein. Donc on était confronté surtout à des kinim de femmes en général. Achat les ou, shtaim les ou. Un pour l'un et deux pour l'autre. Shalosh, ve shalosh les ou, bien trois pour l'autre. Il y en a qui compliquent. Deux manières de lire la Mishnah. Trois pour l'autre, Esser les eaux, trois pour l'autre, ou Mea les eaux, et 100 pour l'autre. La question, c'est juste de savoir est-ce que quoi, c'est 1 avec 2, 1 avec 3, 1 avec 10, 1 avec 100, ou 1 avec 2 et avec 3. Il y avait en fait plein de femmes. Une qui devait en apporter une qui devait en apporter 3, une qui devait. Mais ça revient au même exactement.
Ouais, là, dans ce cas-là, on se retrouve en fait avec 110, 10, 15, et voilà, 116. 116, peu importe, c'est le même principe. Toujours, amu'at kasher, tu prends le chiffre inférieur, et lui sera kasher. Tu pourras faire que parmi tout le mélange, eh ben, la paire, le nombre de paires minimales d'une personne quoi qui s'est mélangée, eh bien, tu l'apporteras à elle uniquement et tu ne pourras plus faire les autres. Ben Mishem Echad, Ben Mishne Shemot, les principes qu'on a évoqués sont identiques, qu'il s'agisse de Chova qu'on apporte pour la même cause, plusieurs femmes qui ont accouché, qui ont leur kinim qui se sont mélangées, ou bien Ben Mishne Shemot, que c'est deux cas différents, comme ce que j'ai dit, moi, mon cas, je dois apporter parce que moi j'étais Zav, et elle doit apporter parce qu'elle a accouché, ça revient au même, il y aura le même principe. Ben Meisha Achat, même qu'il s'agisse d'une seule femme, qu'en fait elle devait apporter, elle avait prévu deux kinim parce que elle avait accouché et trois kinim parce qu'elle avait été zava, et que ça s'est mélangé, donc ça s'appelle Meisha Achat, mais avec des raisons différentes, des causes différentes. Ben Mishte Nashim, même si ça provient de deux femmes différentes. Et ça, la prochaine Mishnah va nous reprendre chacune de ces expressions et les détailler un peu plus. Ce sera vraiment très simple pour le moment, jusqu'au prochain Perek, où on passera un nouveau shlav dans les doutes et les questions qu'on peut se poser autour des mélanges d'équilibre. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.